si j'ai toujours manqué de rêves d'air et de silence, de moments d'absence. Pour la toute première fois, le monde s'offre à moi, le monde s'offre à moi. Et j'ai marché, et j'ai marché pour explorer les terres, les sentiers et les contrées. Et j'ai couru, et j'ai couru à perte de vue. Délesté de l'inutile, un survivant sur son île, rien ne m'empêche de partir, un dernier regard puis s'enfuit. Et j'ai nagé, et j'ai nagé, traversé les océans, les lacs, les marées. J'ai échoué, et j'ai échoué sous un ciel étoilé. Cher public de l'Escapade, et bienvenue à ce concert exceptionnel pour les 10 ans de la journée de création musicale. On est ravis de vous accueillir ici dans la salle de l'Escapade. On a bien pensé à faire ça dans la salle André Dumette, mais on aurait dû rajouter un peu trop de chaises à mon goût. Vous êtes venus en nombre et ça nous touche vraiment beaucoup. Il y en a même qui ont fait de la route. Voilà, donc ça nous touche vraiment. Alors derrière ce concept de journée de création musicale se cache un défi un peu particulier. Celui de constituer déjà un groupe de personnes sachant plus ou moins jouer de la musique, ça, c'est pas toujours évident, de l'enfermer ce groupe dans la salle de notre salle d'animation à la médiathèque, avec de quoi survivre quand même, on n'est pas des sauvages, et puis après de faire en sorte de créer ensemble, en un laps de temps très limité, une journée qui parfois se prolonge un petit peu dans la nuit, de créer en fait une chanson, comme ça, alors qu'on ne se connaissait pas forcément avant. Et ça fait 10 ans qu'on fait ça. Ça fait 10 ans que donc on voulait vraiment fêter ça avec un live pour vous présenter ces 10 chansons. Vous avez entendu la première, mais aussi la plus récente qui s'appelait À perte de vue. Celle-là a été créée l'an passé en 2021 d'une façon un petit peu particulière puisque elle a été réservée au groupe qui s'est constitué expressément pour le concert. Et voilà, donc je remercie déjà tous ceux qui sont là de s'être impliqués à ce point pour donner ce concert. Et on va continuer, on va passer un bon moment ensemble. J'espère que vous êtes chauds, vous êtes prêts ? Ouais !
Merci. Merci, merci. Alors vous verrez qu'au cours de cette soirée, une journée de création musicale ne fait pas une autre journée de création musicale, qu'en fonction des gens qui sont là, de l'ambiance qu'il y a, on va créer des choses totalement différentes. Alors cette chanson, là, L'amour vache, a un côté très burlesque et forcément on a une pensée toute particulière pour quelqu'un qui a amené beaucoup cette année-là, par sa bonhomie et sa joie de vivre. Et donc voilà, donc ça a donné ça. On pense aussi à tous ceux qui étaient là cette année, on a eu des gros échanges de rire à écrire ce texte, vous en doutez. On pense aussi ce soir aux anciens qui n'ont pas pu se déplacer. Bien oui, parce qu'en 10 ans, on se perd de vue, ou on est plus loin, ou encore on avait déjà des autres engagements. Pardon. On pense à Gilles qui était là plein de fois, à Yannick, grand artisan des premières années, à Nadine, voilà, à plein d'autres ici. On a quand même quelques anciens ici, qui étaient là presque dès les débuts, je pense. On a même un local de l'étape, là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le connaissent ici. La Minico, oui, il y en a qui le connaissent ici, là ? Oh, pas beaucoup, je pense. Je pensais qu'ils étaient venus te voir. Il n'y a personne qui connaît Nico ici ? Ah ouais, quand même ! Donc Nico, on l'a connu beaucoup moins grand que ça. C'est comme l'autre Mathéo là-bas, là. On l'a connu beaucoup moins grand que ça. Et dès 2015, ils sont venus, ces deux-là, débordant d'enthousiasme, pour une chanson qu'on va vous interpréter maintenant. On reste dans la thématique animalière, puisque après l'amour vache, la peau de l'ours.
je l'aurais pas cru. Dans quelle nuit t'étais caché? Ah, si j'avais su, j'aurais donné. Je finirais tout nu, le panier mis au plancher. La chute des coups. Merci. I'm broken, lost your eyes in the
Merci, passez. Merci beaucoup. Alors, c'était un sacré retour en arrière. C'était Beyond the Door. C'était la deuxième journée de création musicale. On avait à l'époque appris un peu de nos erreurs. Et tout a commencé finalement le 17 mars 2012, donc un an avant, quand on s'est dit tiens, on va faire une journée de création musicale. Alors on n'avait pas encore la bonne recette. On s'imaginait bêtement que ça pouvait tenir sur les horaires de la médiathèque, un petit 10h, midi 30, 14h, 17h. Et ben non, ça marche pas comme ça. On n'a jamais pu refaire de cette façon-là. Mais en tout cas, avec les quelques-uns qui étaient là ce jour-là, avec déjà Dominique, avec déjà Adeline, avec Arthur à l'époque qui faisait le son, on a réussi en quelques heures à vous présenter, à créer cette chanson-là qui s'appelle Une hésitation. Tout un programme en fait. En pleine obsession, libre comme l'air pour oublier rancœur et contrefaçon. Se relever d'une hésitation, les yeux tournés vers les rivages sans qui les candidats. Choisir pour nous le meilleur et le pire sans compensation. Merci beaucoup, merci à vous. Vous passez une bonne soirée, oui? Super, je suppose qu'on a un peu aiguisé votre curiosité. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire pendant tout ce temps-là dans une journée de création musicale? Alors, je pourrais vous expliquer, je pourrais parler pendant 30 minutes. Ce ne serait pas très intéressant. Plutôt que de faire ça, on va faire un tour dans les coulisses. Et je vous propose de regarder une vidéo qui tente de résumer un peu 10 années de journée de création musicale. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite du spectacle. Thank you.
c'est ça l'idée, c'est que juste avant que le trombone arrive, moi je dise que je dise au commencement était le trombone. Sentir, c'est respirer ton parfum. Respirer ton parfum, mais oui, respirer. Soyons simples. Caresser la tendresse de tes mains. Oh bah oui, on aurait pu. Pour pas dire autre chose, quoi. Désirer la vie avec un enfant. Caresser la. Là, ça va partir, ça va partir dans tous les sens. On peut tenter ça. Et on finit comment en fait? Non, bas. Voilà. C'est le Y, hein, ça. Non, deux, entendre. And I said, hey, honey, what you do to me? Mais du coup, ça change parce que si tu mets. And I said, what you. La même chose. C'est pour montrer que tu galères. Ce n'est qu'un début. Tu peux se lancer. C'est une fois que le début est trouvé, après ça va avancer un peu. Mais le temps de trouver le thème, de trouver les formulations et tout. C'est ça. Je vais rajouter les larmes, puisque. Le titre c'est Don't Cry. Et puis, puis après c'est de l'habillage, c'est ça que j'avais mis pour qu'on puisse mettre un texte sur le côté en fait. Voilà. Et donc la particularité, c'est que donc il y a eu d'abord cette petite phrase qui a inspiré le dessin. Voilà. Et après quand c'est. Non Mathéo, c'est parti du. Vous êtes passé, voilà, vous êtes reparti du dessin pour dire ah mais ça, ça m'a parlé de ça finalement la chanson. Ouais, c'est vrai. Eh ben, je sais pas, t'inquiète, bon, on y va. Accordéon, c'est pas long. Non. S'ils ont pas fini le texte. S'ils ont fini le texte, guitare. Ils ont fini le texte, je crois. C'est torché. Ouais. Et accordéon à la fin. Ouais. Beatbox. Et comment on est avec Mathéo, du coup. Ah, comme ça va. Comme ça, on peut libérer. Ouais, je vois. In love again. Then make it burn like this sand under your feet. Il a dit que la musique déferle les basses et que la guitare vole au-dessus de la terre contre le firmament du ciel. Au commencement était le trombone. Caméra, je peux débrancher ou pas? Ouais. Demandez à l'ingénieur du son, monsieur. Je vais retrouver une mélodie pour le morceau. On avait fixé une heure à partir de laquelle on devrait avoir
fini de composer le morceau sans parler des paroles évidemment, mais très souvent c'est pas exactement ça. mais du coup en fait le truc c'est que ça fait globalement c'était ça à peu près à chaque fois. Et bah on panique pas, on continue de chercher des idées, de mettre les choses en place, et puis après chacun se répartit les rôles. Il y en a certains qui commencent, enfin moi de mon côté je commence à enregistrer un certain nombre de trucs, d'autres qui écrivent des paroles, qui travaillent leur partie individuellement et tout ça. Après, il faudrait que tu continues. Alors, on va d'abord faire les pêches. Ouais. Mais l'idée, ce serait de jouer pendant la partie. Ok. Attends, je te fais une photo seule. Développe rien, il faut la voix la voix d'en bas, on m'a dit. Yeah. Et je crois. Ouais. Ça va passer le robot là. Je sais pas si c'est possible ou pas. Le tire-bouchon. Le tire-bouchon. Oui, enfin bon. Et alors, montre-le les gros mots jusqu'au bout de son rayon. Déjà qu'on les a pas employés pendant la chanson. Bon, voilà. Allez, santé. Avec la couche sur la couche. C'est très bon. À la cousine. À la cousine. Applaudissez tous avec tout votre cœur. On va aller voir d'ailleurs dans les commentaires si vous applaudissez tous. Ouais, il y a du monde qui est connecté. Bonjour Anne Couvert. Non, c'est Claude. Bonjour Claude. Je suis avec vous sur Facebook depuis la Corse. Ouais.
Merci. C'est particulier de se replonger dans ces souvenirs. Enfin, pour nous, c'est des souvenirs, mais pour vous, c'est pas grand-chose d'autre que de la découverte. Ça fait quelque chose, hein, même si c'est moi qui ai fait le montage, ça me fait quand même quelque chose. Vous voyez, ces journées de création musicale-là, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de doutes, c'est beaucoup de joie, et c'est avant tout une assez incroyable aventure humaine. Hein, n'est-ce pas? Tu confirmes? Tu cherches surtout ce qu'on va jouer derrière. Ouais. C'est Nico Baye. Toi, t'as morphé dans les vidéos, mais... Bref, il y avait une édition quand même un peu particulière en 2014. Donc c'était seulement la troisième fois qu'on faisait une journée de création musicale et ça commençait un petit peu à se faire connaître et on arrive à 15 inscriptions, dont 3 personnes, auteurs, compositeurs, interprètes, guitaristes, et là on se dit « Ah, c'est peut-être cette année que ça va pas très bien se passer, comment tous ces gens qui créent vont pouvoir cohabiter ?» Et puis, il y avait quelque chose d'un peu spécial. On avait embauché Simon, notre ingénieur du son, qui n'était pas venu les mains vides. Il était venu avec un vieil orgue analogique. Et Marilyn, qui est ici présente par là, là-haut ce soir, coucou Marilyn, a commencé à jouer dessus. Et puis, il y avait Céline, qui avait dépoussiéré son violoncelle quelques semaines plus tôt, qui commençait à jouer. Il y avait Joe Philippe, avec sa guitare. Il commençait à se passer quelque chose. Et puis, à un moment donné, on a vu débarquer Gilles, tranquillou, avec ses tongs. Et avec sa moitié de batterie, commence à se mettre là, il s'installe, il joue avec ses mains, tout ça, et là, c'était parti. Et en fait, la musique, la rencontre des gens, a fait que quelque chose est né, en fait, de cette rencontre-là, Colo Calavi, cette chanson qu'on va vous présenter ce soir. Et en fait, la musique a pris le dessus, en fait, sur les éventuels égos des uns et des autres, puisque, en fait, tout le monde était venu dans cette intention de créer ensemble. Et donc chacun finalement, au final, a trouvé sa place dans ce collectif. Et donc c'est ça aussi la journée de création musicale, c'est pouvoir s'effacer, faire autre chose pour donner naissance à une chanson et mettre la musique devant tout. Donc on va vous jouer cette chanson ce soir et on est ravis d'avoir un des principaux artisans de cette édition 2014. C'est un peu autour de lui qu'a été écrite la chanson. Monsieur Joe Philippe, il est là ? Il est là ? Oui, il est là. Bravo, Joe Philippe. Donc, Joe Philippe, qui nous vient de Rennes, il avait vu, en fait, l'annonce, l'affiche au Jardin Moderne. Elle avait été déposée là. Et comme Simon, en fait, travaille là-bas au Jardin Moderne, à l'époque. Et il nous a rejoint. Et c'était un plaisir de le rencontrer. Depuis, ben, il continue son petit bout de chemin. Il a sa carrière solo sur Rennes. Et il est même venu jouer à la médiathèque. Un très bon souvenir. On avait passé un super concert dans la salle d'André Dumaître. Et donc, on est ravis de t'avoir avec nous ce soir. C'est vrai que ça a été un peu facile. On a failli se louper. Mais voilà. Donc, c'est un bonheur de t'avoir avec nous. Colo Calavi. Le lingala, quand ta langue tangue, tangue le la, tu te retrouves comme hier, seul en manque de repères. Chante le lingala, danse le lingala, dans le vent, dans le vent. Là,
enfin ton mélodique qui condamnait tes ancêtres. Toi, enfant prodigue, renaître là. Banzayo, kende koluka ngo la vie. Pour la petite histoire, d'ailleurs, Joe Philippe, tu avais repris ce refrain-là sur une de tes compositions. Oui, en fait, je l'ai repris. En fait, j'ai repris cette partie dans une des chansons de mon premier album qui s'appelle Hymne à la conscience. L'album retrouvable sur YouTube. Et les morceaux s'appellent Une chanson pour eux. En fait. Motola linga kake yo, masuwe nani na libongo, butuwe yinda na kobanza yo, kende koluka ngo la vie. Merci beaucoup. Merci à vous. Un peuple d'or vivant le frisson
les abuser de l'or et vent d'horizon. And if it's the end, then suffering, then make it to push it. Merci beaucoup. Vous allez toujours bien? Ah, parce qu'on vous voit pas, on voit pas si vous souriez, si vous pleurez, si vous êtes déjà parti. Non, vous êtes toujours là. Super. Alors on nous demande souvent, mais comment vous faites pour trouver des musiciens qui veulent bien faire ça en fait, une journée de création musicale? Alors c'est pas toujours facile, hein. On fait de la pub, comme pour toutes les animations de la médiathèque. Des fois ça marche. On recrute parmi les connaissances. Ça marche. Et puis voilà, quoi. Par exemple, cette chanson-là, La Mirage Actuelle, elle date de 2016. Qui on avait en 2016? Bon, on avait Nico. Est-ce qu'il y a-t-il besoin de le présenter encore? On le connaît depuis qu'il allait à MJC. Voilà, il a fait de la musique avec de la guitare à l'école de musique. Tu as appris là-bas, en fait, hein, il me semble. Donc voilà, on l'avait repéré, on sympathisait. Allez, je viens. Il est venu en 2015, il revient en 2016. Bon, maintenant, il peut un peu moins venir. On avait qui en 2016? On avait qui? Bon, on avait Mathéo. Mais oui, Mirage Actuel, bien sûr. Il y avait bah, beatbox surtout, ouais, c'est ça. Donc l'accordéon, beatbox aussi. Donc Mathéo, je le connaissais de Saint-Main. Moi, j'habite à Saint-Main-le-Grand. Et puis on s'était vu à un concert, on a sympathisé. Il faisait de la musique. Je dis, tu veux pas faire une journée de création musicale? Voilà, moi, je rameute en général. On avait qui en 2016? On avait Muriel. Muriel qui ne peut pas être là ce soir, je pense, mais il y a ses enfants qui sont là. Et puis il y a son mari aussi qui est là, là-haut, qui nous fait le son. Merci Pierre. Donc Muriel qui à l'époque était institutrice, et puis on avait des petits projets ensemble déjà, et puis comme elle faisait de la flûte traversière, elle a bien voulu se joindre à l'aventure. Et on avait qui encore? On avait Romain. Romain c'était le copain, l'ancien copain de la sœur d'une collègue de l'époque. Voilà, donc voilà, on rameute. Et puis il y avait aussi François. Alors François, c'était un peu particulier parce qu'il venait de l'école de musique. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, naturellement, on pourrait avoir des élèves de l'école de musique un peu chaque année. Sauf qu'on ne fait pas le travail des fois, on ne va pas assez chercher les élèves de l'école de musique. Mais c'est un partenariat qu'on devrait un peu plus travailler sur les années à venir. En tout cas, en 2018, on a eu une génération un petit peu dorée comme ça d'élèves d'école de musique. Puisqu'on a eu Kevin qui est venu faire de la batterie. Qui n'est pas là ce soir, hein, sinon vous l'auriez applaudi avec le reste. Il y avait Emma qui est venue faire de la guitare électrique. Il y avait Anna aussi qui est venue faire du violon, qui est venue chanter. Et c'était assez incroyable cette journée de création musicale-là. Il y avait Mathéo qui était venu, bien entendu. Et c'était aussi les débuts de Timothée en 2018. Et Timothée, ben, devinez, il faisait quoi en 2018? Ben, il était stagiaire à la médiathèque. Voilà. Les stagiaires, on les rince, hein, même pour les journées de création musicale, il n'y a pas de souci. Et donc Timothée, il est venu comme ça, voilà, avec son oud. Alors déjà pour l'ingénieur du son, premier défi. Alors comment on va capter ça pour qu'on puisse s'entendre sans que ça fasse des Larsen pas possible? Et au final, on a réussi à pondre Sweet Girl Jean. Et merci Timothée d'ailleurs, parce que c'était le début d'une belle aventure musicale avec toi.
Et pareil, Timothée, pour les répétitions qu'on a organisées là, pour préparer ce concert, bah, elle a été là tout le temps, à chaque répétition. Ce n'est pas facile de se libérer en fonction de l'emploi du temps, des contraintes des uns et des autres. Il y en a qui viennent de loin, région parisienne maintenant, certains. Voilà. Donc c'est compliqué d'être là, ou Normandie. Et mais Timothée de Rennes, ben, tant qu'il a trouvé quelqu'un pour le déposer, parce que bon, les bus Rennes passés, on sait bien que c'est pas trop ça le dimanche, et ben, il est venu. Donc merci Timothée pour ton implication et d'avoir été un peu le rock là, pendant les répétitions. Voilà, merci Timothée. Et donc, pour Sweet Girl Jean, j'arrête de parler et je laisse le micro à Mathéo. Don't try, sweet girl Jean. Don't give up your smile. Take the time to look up to the sky. Don't try, sweet girl Jean. Don't try, sweet girl Jean. Baby, you will see another way to be free. It's not the end, it's a new beginning. Don't bury your feelings. Look around you. Be ready for the new life that comes to you. A smile that makes you cry. Brings a new rise, a new pride. New adventures for your girls. Learn not to fade around. Whatever your joy will sound. You'll be bound by blood and ground. You'll be bound by blood and ground. Don't try, sweet girl Jean. Don't try, sweet girl Jean. Don't try, sweet girl Jean. Maybe you'll see no reason to remain free. Don't try, sweet girl Jean. Don't try, sweet girl Jean. Baby, you will see another way to be free. Merci. On peut applaudir aussi Aurélie, qui ce soir ne savait pas en arrivant qu'elle allait jouer ce Sweet Girl Jean au violon. Il se trouve qu'Anna a eu un empêchement. Et donc bravo Aurélie, parce que tu t'as carrément bien démerdé.
pour prendre le chose au pied levé. Bravo. Et je me rends compte que j'ai oublié un remerciement pendant Sweet Girl Jeans. C'est quelqu'un qui est dans la salle aussi. C'est Paul, monsieur Paul, Paul B. T'es là, Paul? Ah, mais il a pas de voix. Ah, il a faune, le pauvre. Paul qui a fait la superbe pochette que vous pouvez voir si vous avez déjà été sur le site jcmziklibambi.bandcamp.com. Vous pouvez télécharger les... Donc c'est lui qui nous a fait cette superbe pochette. Et c'est lui qui a fait d'autres superbes pochettes, comme celle de l'amour vache, etc. Et c'est lui qui a fait le visuel de l'affiche. Donc merci Paul, infiniment. Donc ça va? Vous êtes chaud là ou pas? Parce que ça va un peu envoyer là. Ça vous fait pas trop peur? Bon. Enfin si GG, ouais, on envoie. Ah ouais, on envoie, je savais bien. Quand je chauffe GG, là il répond. Et oui, par ce soir à la batterie, vous aviez GG! Un immense merci à GG. On n'avait pas de batteur pour ses 10 ans. J'ai rameuté tous les gens que je connaissais. Il est venu de Normandie, non pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour les répètes. Merci GG, t'es un ami. Et dans son sillage, il a emmené Steven, un ami de 30 ans, un peu touche à tout. Il fait de la basse, il fait de la guitare, il fait de la guitare, il fait des conneries aussi, mais bon, ça, on n'a pas trop vu ce soir. Et à la basse, il accompagne qui? L'indécrottable Claude, Claude, Claude à la basse. Claude qui est arrivé à la journée de création musicale en 2017. En 2017, il n'y avait pas une basse, il n'y avait pas deux basses, il y avait trois basses. Et à la fin, il n'en restait qu'un, Claude. Et depuis, ben Claude, il est toujours là. Sauf vraiment quand il a un empêchement, il participe tout le temps. J'ai lancé l'appel, qui veut faire un concert pour les journées de création musicale? 2 minutes plus tard, il y avait Claude. Oui, moi, j'en suis. Merci Claude de ton implication, t'es un élément hyper important. Sans toi, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait là aujourd'hui. Merci Claude. Donc cette chanson s'appelle Au commencement. Je propose qu'on commence du coup. Comme un message dans
commencement, c'est un le trombone. Merci les chœurs. Et en trombone ce soir, vous aviez Dominique. Un tonnerre d'applaudissements pour Dominique. Plus fort, 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 plus fort. Merci Dominique. Sans lui, les journées de création musicale ne pourraient pas avoir lieu. C'est toujours moi qui fais le guignol à la fin pour les présentations. Mais le travail de l'ombre, c'est Dominique. Il est toujours là. Il fait toujours ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Donc un immense merci de ma part et de la part de tout le public, je pense, et de tous les musiciens. Tu es un élément indispensable. Et il participe toujours avec une vraie efficacité, une vraie musicalité. Quand il se dit « il n'y a pas besoin du trombone », il ne joue pas. Quand il joue, il trouve toujours un truc qui nous reste en tête des semaines après. Donc bravo, 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 bravo. Je voulais remercier aussi particulièrement Adeline, ce soir, qui a relevé le défi aussi, alors qu'elle est maintenant en région parisienne, qui a fait des voyages en train là, pour s'entraîner, pour être là, pour être présente et prête le jour J. Donc merci Adeline pour ton implication. Et pendant les répètes, elle a été un peu mon Dominique aussi. Elle s'est occupée de tout, de la vaisselle, de tout machin. Bravo, merci beaucoup. Donc vous allez bien ? Bon, on va plomber un peu l'ambiance, je suis désolé. Parce qu'on ne pouvait pas, en fait, finir cette journée-là sans rendre un petit hommage. Finir ce concert-là sans rendre un hommage à quelqu'un qui nous est cher et qui ne peut plus être là aujourd'hui, mais aussi à, quelque part à toutes les personnes qui, en ces 10 ans, en ces 10 années, forcément, hein, on perd un peu des gens qu'on aimerait revoir. Ben, voilà, on espère qu'ils nous regardent un peu de là où ils sont et qu'ils nous font un petit sourire en coin de l'œil et qu'ils apprécient en fait ce qu'on propose ce soir. Donc toute cette chanson est pour eux, c'est une reprise de Beyond the Door, mais en version française. Pour
Merci. Merci beaucoup. On va pas se quitter quand même là-dessus. Je pense que tous les gens auxquels on pense, on n'aimerait pas en fait qu'on se quitte là-dessus. Et donc pour terminer, on va vous faire la chanson la plus solaire de ces 10 dernières années. Et pour cette chanson qui s'appelle Give Me a Try, on a besoin de Lisa au chant, forcément. Et on a besoin d'un petit nouveau à la batterie, Monsieur Maxou. Bienvenue Maxou. Et pour cette dernière chanson, pour qu'elle soit un petit peu festive, je propose à tous les musiciens qui ont participé à ce concert de nous rejoindre sur scène. Voilà, des fois ils se cachent un peu dans les coulisses de peur d'être vus à rien faire. Ce n'est pas sale de rien faire. Et donc c'est le moment de présenter un petit peu tout le monde, au cas où j'en ai oublié en cours de route. Au clavier, à l'accordéon, au chant. T'as fait autre chose ? C'est vrai, pas aujourd'hui. Mathéo ! Il y a le fan club qui est là, là, je crois. Au violon, et pas au chant, puisqu'elle ne peut plus parler, Aurélie ! Elle était encore malade en début de semaine, donc merci Aurélie de t'être remise juste à temps. À la basse, à la guitare, à la guitare. Et c'est tout. Et si, t'as amené les filles aussi. T'as amené mes filles. Oui, ma filleule et ma nièce, bref. Steven ! À la batterie, mais pas pour cette chanson. Il y avait Gégé ! Claude à la basse ! Joe Philippe pour toutes les chansons en lingala. Sans exception. Dominique au trombone ! Timothée à la guitare électrique, au oud, à la mandoline. Et bah c'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Et celui qui enroule les câbles comme pas un autre. Ah, ça va, t'as fait un effort. Nico à la guitare! Adeline, ma comparse au chant! Et bien entendu, Lisa aussi. Allez, merci à vous tous d'être venus ce soir. C'était un bonheur d'être parmi vous. On finit avec Give Me a Try.
Merci infiniment. Merci passé. C'était les 10 ans de la journée de création musicale. On était ravis de vous avoir avec nous ce soir. Et comment dire, on va continuer. Vous l'avez bien vu dans la vidéo, on va continuer. Donc si vous faites de la musique, vous voyez ce que ça peut donner. Rejoignez-nous quand vous verrez la petite affiche qui parle de la prochaine journée. Hein? N'hésitez pas. Non? Il y en a qui veulent venir déjà ou pas là? Je cherche. Personne? C'est pas grave, on réinsistera. Donc on espère que vous avez passé une bonne... Ah pardon, tu voulais parler. Ah ben oui, je voulais quand même parler. Il y a quand même un truc à dire. C'est vrai. Ben, quand même remercier le ciment de toute cette jolie communauté de musiciens et d'amis, je pense. On peut aller jusqu'au terme. Donc ben, le ciment, il a un nom. Merci Antoine et merci beaucoup, sincèrement. Merci. Ça tombe bien parce que j'avais pas terminé mes remerciements. J'ai failli oublier le plus important. Au son ce soir, vous aviez Pierre et vous aviez Thomas. Merci Thomas aussi qui nous a beaucoup aidé lors des installations. Merci à l'équipe de Love Production qui nous filme ce soir. Vous pourrez avoir un super souvenir. Merci aussi à Lucas qui nous a fait la lumière. Il est arrivé, il déboulait de Royan, il a tout installé, il était à fond comme ça. Et il a installé pendant qu'on jouait. Enfin bref, bravo Lucas, merci infiniment. Et un merci tout particulier à mes collègues de la médiathèque. Je vois Christine qui est juste en face. Merci Christine. Merci Marine qui a fait les entrées avec Christine. Merci Gaël. Merci Sandra. Merci qui c'est? Bah Annabelle bien entendu, même si elle travaille plus trop à la médiathèque. Mais bon, voilà, sans tous ces collègues merveilleux, on pourrait pas lancer ce genre de projet. C'est le travail de toute une équipe aussi. Donc merci de faire en sorte que ça puisse exister. Vous savez que ça me tient à cœur, mais voilà, ça, pas qu'à moi. Merci à vous. Alors, pardon. Partez pas. Oui, juste Mathéo, avant que les gens partent et avant que je vous coupe la parole, désolé, une fois n'est pas coutume. On va quand même pas tout à fait se quitter comme ça. Nous, on a chaud, je sais pas vous, mais donc on vous propose de boire un petit verre de l'amitié à l'étage, au rez-de-chaussée, pour le coup. Ouais. Et donc, je redonne la parole à Mathéo et Nico, pardon. Non, je voulais préciser aussi un grand merci à Antoine, qu'on va remercier très chaleureusement. Antoine, il s'occupe chaque année après année, des journées de création musicale, et vous n'avez pas conscience de l'énergie, vraiment, de l'énergie et du temps que ça demande. Et pour nous supporter, pour nous gérer des musiciens ensemble qui jouent des instruments qui sont passionnés, c'est un carnage à gérer parce qu'on a... Non mais c'est vrai, on part toujours à faire plein de trucs différents, c'est impossible à cadrer et tu gères ça année après année. Quand on finit à 3h, 4h, 5h, peu importe, derrière t'as une heure de rangement, de câblage et tout, de tout ton bordel à gérer, à ranger. Donc un grand merci à toi et je pense qu'on t'a laissé un petit truc... Pour marquer le coup, parce que vraiment c'était une grosse préparation pour ce concert, d'avoir ressorti des morceaux des années avant, d'avoir contacté tout le monde, d'avoir organisé tout un paquet de répétitions. Donc merci infiniment et on espère que ça vous a plu évidemment. Donc merci Antoine. Et on a l'honneur, le plaisir, tout ce que tu veux, de t'offrir ce soir le ukulélé de l'amitié. Alors attends, parce qu'il est déjà joli de face comme ça. Mais derrière, t'es pas prêt, en fait. Parce qu'on a fait appel à un artiste accompli que t'as déjà présenté tout à l'heure. Donc c'est Paul qui est là-haut, là. Qui nous a fait un super dessin. Voilà. Et on a signé derrière, voilà. C'est pour toi, c'est un petit souvenir. Et voilà. On espère que tu te mettras au ukulélé pour honorer le cadeau. Et en plus de ça, parce que bon, on a fait une petite cagnotte et tout, donc il nous restait un peu de thunes. Donc on t'a acheté, parce qu'on sait que t'es un grand, grand, grand amateur de jeux de société. Donc le truc, c'est qu'on n'est pas sûr qu'il les a pas déjà, tellement il est... voilà. Donc on t'a fait un petit florilège. Il est pas accordé, par contre. Mais c'est un vrai ukulélé, hein. On l'a acheté à Guitar & Co, enfin c'est un vrai guitare ukulélé. C'est pas qu'un jouet, non, c'est un vrai instrument. C'est du vrai bois, derrière, en dessous. Ouais. Tu vas le mettre sur le bar, ils pourront le contempler. C'est vrai. Oui, c'est bon, c'est trop beau. Et donc voilà, donc plutôt plaisir avec tout ça. Merci, fallait pas franchement. Je vais pas la faire.
Ah, vous déglez tout, c'est ça? Alors, bah, on va voir si mes amis connaissent bien. Fabien, tu vas tester, savoir si j'ai des jeux. J'ai pas précisé, mais il peut éventuellement les échanger si. Ah, un cartel! Gaël, il y a un cartel qu'on n'a pas. Un combien? Ouais, ils sont récents, il m'a dit. Combien? Merci. Ah, c'est une boîte de métal, j'ai conduite. On va reprendre, on va finir par là où tout a commencé. Non, pas le trombone, à perte de vue.
marché, j'ai marché pour explorer les terres, les sentiers et les contrées. J'ai couru à perte de vue. Et j'ai marché pour explorer les terres, les sentiers et les contrées. Et j'ai couru. Merci.